Bonjour les Minecraftiens, ici CLB35 en compagnie de Witherboy qu'on n'entend pas malheureusement, mais lui nous entend, donc ça c'est très bien, il pourra réagir un petit peu dans le chat. On est également en compagnie de notre Monsieur Radio Autherion. Bonjour. Et aussi de notre très cher builder, terraformer et tant d'autres choses, ma foi, tout aussi, toutes plus délicieuses les unes que les autres, à commencer par un militant pour la défense de la liberté d'expression sur le Discord, Charles Nobile. Bonjour. Des gens discrets, ma foi, en vidéo, mais pas important. Par exemple, je me souviens, Therion, avec Tutur, vous étiez moins discret sur le serveur Discord à un moment donné, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement floudé que j'étais obligé de créer un salon juste dédié à ça. C'était très drôle. On voulait s'amuser. Ouais, bon, je vous en veux pas, vous inquiétez pas. Tout est pardonné, mais maintenant vous avez un channel dédié à ça. Et moi j'ai un rang qui fait que je ne peux juste pas le voir. Mais je peux me retirer le rang, donc ça marche pas super bien. Mais bref, on est donc sur Minecraft, c'est tout faire, ça faisait un bail, non? Mais c'est la première fois que j'apparais. Et bah, c'est ouais. Pas, je regarde pas les vidéos de la chaîne. Va te fermer. True story. Non, plus sérieusement, la dernière, c'est celle qu'on avait tournée au début de la construction de la PVP avec Tutur, justement. Tu vois, ça remonte. Hein. Mm-hmm. Je suis même pas sûr que tu t'en souviennes. Pourtant, t'étais dedans. C'est la deuxième fois qu'on a Charles ici. Tutur, quant à lui, est occupé sur son brick film. On pourra revenir là-dessus à d'autres occasions, mais. Yeah. Cette chasse au trésor, elle n'était pas drôle, hein. C'est-à-dire que bon, ça a juste énervé un peu les gens, ils comprenaient pas. GG. Vous êtes tous des gens très doués. Ah bah oui, mais fallait pas la laisser accessible au public dans ce cas. Donc moi je suis dans Game Mode 1, comme vous le constatez, plus rien à foutre des règles, parce qu'après tout, ici, je suis sur mon serveur, je suis chez moi. Donc du coup, je ne fais plus vraiment de survie car je suis très souvent sollicité et que donc ça m'empêche de vraiment jouer correctement en mode survie. C'est triste. Retweet, triste. Tu es triste. Et donc nous allons faire un petit world tour parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis le temps sur cette map. À commencer par quoi? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu cette gare qui n'est toujours pas en activité, je crois qu'elle ne le sera plus jamais. Et on a ici un bateau, un demi-bateau ou un bateau entier. Un batal. GG. Un batal de bateau. GG, tu sais pas parler. Si, un batal de bateau. Voilà, c'est mieux. Donc on a un batal ici. Il a été construit par. C'est sans doute un truc digne de. Sans doute un truc digne de Goldmania, à moins que ce ne soit Tutur ou toi Charles qui l'aurait fait en game mode en passant par là, mais je sais pas. Le batal. Ah non, moi je fais pas des trucs comme ça, moi je fais des vrais bateaux. Bon bah ça doit être Gold alors. On lui passe le bonjour. Pareil, un autre batal, mais celui-ci volant. Et donc ça c'est son île. C'est le même copier-coller, c'est tout. Et les îles, c'est moi qui les ai faites. Les îles, c'est toi qui les ai faites. Il avait fait d'autres îles avant. Et celle-là, il a dû la faire, mais j'en ai fait une autre un petit peu. Je sais que c'est lui qui s'est occupé de ce moulin qui est à l'identique juste là, nom de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez foutu? C'est un peu bizarre. Mais bon. J'en ai fait une autre ici. Et ici, on a ce qui pourrait s'apparenter à une ferme à mobs si on l'exploitait un peu plus. Et donc voilà, on a construit les terrains en hauteur. Ça, c'est une arène qui n'a pas trop servi, hein, mais qui pourra servir un de ces quatre. On retient son existence tout de même. Donc ces endroits-là existent toujours. Chez moi, qu'est-ce qu'il y a de neuf chez moi? Ah ben oui. Eh ben c'est vrai. Il y a comme qui dirait une putain de prank. Oh là 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 là. Vous les gens, vous me désespérez. Putain, mais... Ok, bon, bah maison champignon, du coup, maintenant. On y refera des tours à d'autres occasions, mais pour l'instant, ça me paraît assez mal barré dans cette maison. Il y a des chances que je déménage, un de ces quatre, si je relance une survie sur ce serveur de mon côté. Il y a des chances que ça ne se passe pas ici. Je risque de m'exiler loin. Donc, nous avons Autherion. Toujours là, Autherion? Non, je suis mort. Merde. On va pas te rejeter, tu sais. Bon. Il a pas tilté ma provocation, ce n'est pas grave, il a créé donc un grand phare et il y a 2-3 choses intéressantes à vous montrer dedans. Faudrait juste que j'arrive à
Déjà, je peux l'expliquer. Le phare, vu que bien sûr c'est un très joli serveur et qui n'aime pas trop la redstone qui s'actualise tout le temps, mais j'ai fait un phare juste qui s'allume la nuit et qui s'éteint vraiment à l'aube du jour, et donc du coup, ben, c'est bon. Bah oui, malheureusement, on a un petit serveur, nous. C'est pour ça qu'au final, vous êtes pas très très nombreux, mais que c'est pas plus mal. Parce que sinon, on serait pas sorti de l'aubergine. Donc, tu avais des choses à nous montrer dans ce phare. Cette blague. Et donc, ce phare, j'ai décidé de faire un peu une base secrète, mais où ? Donc, ça peut pas être aux étages qui sont même pas faits. Alors, CLB, je vais te demander de te mettre au milieu. Ce bloc ? Non, derrière, juste derrière. Ce bloc-là. Alors, tu vas me regarder, et à cet endroit pile, je vais jeter un item. Technique habituelle s'il en est. Mais plouf. Technique habituelle s'il en est. J'ai utilisé un pack de textures qui remet d'anciennes textures, notamment pour la lave et pour le lapis. C'est sympatoche. Parce que j'aime bien les anciennes textures. Et donc là, nous avons en somme ce qui pourrait s'apparenter à un panneau avec 9 boutons. C'est un code, donc... Un code à combien de chiffres ? Juste à deux, et il faut les appuyer, il faut appuyer sur un puis l'autre, et ne pas appuyer sur, par exemple, dans un autre ordre. C'est celui-là, celui-là. D'accord, fascinant. Et donc là, ça va être l'ouverture, on va tomber à peu près à la couche 11, et on va, et je vais construire une énorme base avec des pixel art, des champs de plein de choses. Pour le moment, il n'y a pas grand chose niveau pixel art et champ de plein de choses. C'est normal, je l'ai construit que cet après-midi. Aïe, ça brûle. Je l'ai construit que cet après-midi et j'ai plein d'idées. D'accord. Et eh ben écoute, c'est fascinant, mon petit bonhomme. On refera un tour quand il y aura plus de choses en dessous. En attendant, comment qu'on fait pour remonter? Slash spawn. Il n'y a que ça. Ce qui est, ma foi, une transition plutôt cool pour vous parler du fait qu'on a ajouté, grâce au conseil de Charles, notamment, on a rajouté un bucket. Enfin, un spigot, c'est pareil. Y aura-t-il... Exactement. Comment ? On va considérer que c'est pareil. On sait pas tout à fait pareil, mais on va considérer que c'est plus ou moins comme tel. Et donc, qu'est-ce qui a été rajouté ? Est-ce que tu te souviens à peu près est-ce que quelqu'un ici est capable d'en faire une liste ? Parce que moi, je devrais que... Enfin... à part la maison de Wilbar, il n'y a rien d'autre. Non, le bâton, on l'a déjà vu. Il y a peu près... De vers... nouveau, rajouté par Spigot, bande d'idiots. Ah ! À peu près tout. Oui, que tu n'avais rien, maintenant tu as tout. C'est pas faux. Enfin, c'est slash spawn, slash CPA et autres genres de conneries. Il y a plus de privilèges pour le VIP maintenant, avec quelques commandes utilitaires supplémentaires, à commencer par le slash home, le slash set home plus précisément. Et le vrai slash TP, genre où tu mets pas les deux noms. Bah, tu sais, dans Minecraft Vanilla, on n'est pas obligé de mettre les deux noms. Hein. C'est pareil. Et en plus, dans le TP Vanilla, il y a beaucoup plus de trucs, hein, je te ferais dire. Oui, TP non seulement à des coordonnées, à des coordonnées relatives, à des coordonnées avec des décimales. Tu peux sélectionner selon des arguments, des sélecteurs suivi d'arguments. Tu peux le faire aussi avec TP Spigot. Hein, reste connu. N'empêche que moi je suis un fervent défenseur du TP Vanilla. Oui, du Minecraft qui marche pas parce qu'il est tout bugué de partout à cause des commandes blocs. À cause des commandes blocs, mais non, mais les commandes blocs c'est la vie, et si tu sais t'en servir, ça fait rien bugger du tout. Je suis peut-être pas un bon exemple alors, du coup, mais. Du coup, t'es pas un bon exemple parce que tu faisais tout. Enfin, je sais pas, quand tu regardes des trucs faits par IGL, type dans un command block, il te fait un truc qui égale carrément le niveau d'un plugin en termes de dev. Juste dans une commande, il te fait apparaître une sorte d'énorme PC rempli de commandes blocs. Oui, mais ça, c'est. Qui c'est sont ce d'une fiabilité à toute épreuve. C'est ce que je fais aussi sur mon serveur, et ça marche plutôt pas mal jusqu'à ce que ça marche plus. Jusqu'à ce que ça... Excellent. C'est-à-dire qu'il suffit que le biome se décharge et puis ça marche plus, en fait. Bah oui, mais si tu le mets dans une charge constante au spawn. Ouais, mais t'es obligé de charger le biome en permanence et du coup, ça pompe de la RAM et du coup, t'as besoin d'un serveur plus puissant et blablabla et blablabla. Enfin, voilà. Bref, pour beaucoup, les plugins, c'est une bonne alternative. Je les ai écoutés. Pour l'instant, je ne le regrette pas. Autérion, t'es capable de parler avec tes lèvres. Mais je ne veux pas te couper, mon cher. Oh bah tu sais, tu pouvais attendre que je finisse, hein. Non mais à vrai dire, on a de nouvelles choses aussi dans ce coin-là. Donc là, on a
Un petit château construit par Alex Fire qui n'a rien de particulier de notable hein, pour l'instant. Il n'a pas bougé depuis longtemps. Si dit, il a ses lampes qui s'allument uniquement la nuit. C'est quelque chose de très astucieux qu'on retrouve beaucoup sur le serveur. Moi, j'ai découvert avec les gens du serveur pour le coup. Et ça, c'est un truc un peu plus phénoménal que je trouve. Ben voilà, exemple typique. Il y a aussi la porte qui s'ouvre. Donc ici, on a chez Gold. Gold nous a construit une belle maison ici. Franchement, je trouve qu'elle est plutôt classe. Une maison moderne avec un toit absolument pas moderne, ceci dit, mais... Mais je trouve il y aurait que... des trucs à revoir dans le toit. Mais... Ouais, moi j'aime bien. Je suis pas très exigeant en termes de construction. Hein. À l'intérieur, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais il n'y a rien, c'est normal. Il n'y a rien. Il a construit... Il a fini cet après-midi. Ah oui, donc il y a une sorte de... Et il y a quelques bonnes idées. Il y aura des trucs à rajouter dans le toit et peut-être un peu de contraste au niveau du... Au niveau des structures. Sinon, ça va. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'asymétrie. Enfin bref, je pense non, que c'est fait pour. C'est fait pour. Ouais, ça a l'air d'être fait exprès. Je ne connais pas ces structures du tout. Je ne connais pas ce village d'ailleurs. Qui... C'est le village de Camom avec juste à côté celle de Wulio. Avec la maison de Wulio et la maison de fait par Charles pour Wulio. Ah oui. Et là, la chose en cobble et en bois, c'est un temple qui compte construire. Et il y a un petit accès au Nether et un petit champ juste au milieu. Alors là, c'est l'ancienne maison de chez Wulio et ça se remarque qu'il débute hein, dans Minecraft. Hein, parce que... enfin, il débute pas vraiment dans Minecraft en soi, mais il a eu sa version premium il y a assez peu de temps. Et voilà, il n'a pas une grande expertise en construction pour un storm. Enfin, ceci dit, moi je fais rarement mieux que ça. Je lui ai fait sa petite maison à côté. C'est pas fait en dirt en tout cas. C'est pas fait en dirt, c'est déjà ça. Si vous voulez. Ouais. Je lui ai fait sa petite maison. Alors, Camom, par contre, un loyer c'est au masculin. Oh là là, faut pas qu'on soude de la gueule de nos membres, sinon personne ne va vouloir venir sur notre serveur. N'oubliez pas, le serveur République est ouvert, le lien est évidemment dans la description. Vous pouvez également vous connecter sur un serveur vocal pour parler également dans les épisodes, à l'instar de pas de Wither du coup, mais ça aurait pu, de Therion et de Charles. Voilà, voilà. Alors... Personne ne veut parler avec toi. Yeah oh, pleure pas. D'ailleurs, on a oublié le système du beacon juste à côté de mon fort. Oui, le système du beacon juste à côté de ton fort. Ça c'est au niveau de Nelson, ton fort. C'est le 14 juillet, au jour où on récorde ça. Ça c'est pourquoi personne veut parler avec toi. Et c'est rigolo, non, Nelson, non, mon fort. C'est pour ça que les gens veulent pas te parler. Putain. Faute d'orthographe égale pas ban non plus, mais je faute d'orthographe égale remarque cynique que vous êtes tout à fait libre d'ignorer. C'est fortement recommandé même. Donc vous voyez, c'est le 14 juillet, donc ici les couleurs sont alternées entre le bleu, le blanc et le rouge. C'est type Aswag avec une machinerie qui est tout à fait sobre. Pas compacté et dégueulasse. Sobre et agréable pour les oreilles. Ainsi que pour les yeux. D'ailleurs, sachant que je suis riche, on devait mettre un item dans le hopper. J'ai pris l'item pas du tout chiant à voir, le bloc de diamant. Là, pour le coup, un seul command block, ça aurait suffi pour changer. Ah oui, un seul command block, enfin deux, peut-être un d'ailleurs si on optimise un peu, mais... Oui, c'est sûr qu'en termes de command block, ça aurait pas pris beaucoup de place. Par contre, la lumière qui tourne autour, là, c'est sympatoche. C'est un petit circuit que j'ai fait parce que j'avais du matos après avoir construit le haut du phare, mais il me restait du verre et quelques redstone lampes et j'en ai fait. C'est tout quand ? Ouais, je serais curieux de savoir comment t'as fait par contre. C'est quel bloc qui s'occupe de ça ? Mais viens à l'intérieur. Allons jeter un œil pour voir ce qui se fait sur ce magnifique serveur. Ah oui, en effet, c'est tout con. Faut jamais chercher des choses vraiment complexes, tout est simple. Surtout que là il n'y a pas beaucoup de place, donc encore tout est simple. C'est sympathique tout ça. Il y a que Seth Bay qui aime bien faire des trucs complexes en fait. Je vous
hais, mais d'une force, je vous hais, mais je vous hais d'un niveau mais phénoménal. D'ailleurs, il n'y a pas de maison derrière chez moi, j'aimerais bien qu'il y ait des maisons, parce que ça m'éviterait de voir cette terre complètement moche, dégueulasse. C'est vrai que typiquement, zone à construire ici. Vous avez un compte Minecraft, venez sur serveur et construisez juste ici. Quelqu'un s'est arrête connecté. Arrête de spoil, c'est mal. Oui, on ne parle pas de... Soit faudrait reterraformer cette zone là parce que là c'est juste dégueulasse à voir. Bah vas-y, libre à toi, c'est vrai que c'est pas très joli. Ça a pas l'air très compliqué à terraformer en plus. Hein. Ne touche pas à ça. Quelles sont ces choses? De quoi qu'il parle? Ne touche pas à ça. C'est un monument. Si je fais tout disparaître. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Personne n'aura jamais entendu parler de ce monument. Dommage que je les recorde devant vos yeux à l'instant. Mais ça, je récupérerai le rush et je les enlèverai. C'est pas toi qui t'occuperais du montage a priori, donc... Je ne sais comment faire à la CIA. Tu t'es grillé tout seul, mec. C'est genre le mec qui peut te décaler. On sait comment faire à la CIA. Vous pouvez éliminer toutes vos données. Eh, mais t'es de la CIA, toi? Non, pas du tout. Non, je vois pas de quoi tu parles. Par contre, ce qui est sympa, c'est que de ma maison, on voit le petit village là-bas et ça fait vraiment sympa comme petit village. Ouais. Et ça fait un tout petit village. Et si vous voulez créer de nombreuses villes sur ce serveur, allons-y. L'IP est toujours dans la description. Enfin, l'IP mène à un lien de notre site sur lequel il y a tous les liens du serveur, à commencer par l'IP. Par contre, une petite idée avec l'adore là qu'on peut faire en faisant un clic droit avec l'appel, il faudrait qu'on relie toutes les maisons avec ça. Pour genre faire une sorte de... Une sorte de chemin. Ouais, non, mais genre... ça fasse comme un village, quoi, que ça soit regroupé. Parce une maison par-ci, une maison par-là, non reliée, alors qu'il y en a que deux qui... Il y en a deux là-bas qui sont reliés, ça fait moche. Othérion. Alors, montre-moi où est-ce qu'il faudrait qu'on fasse du terrain. Alors, tu vois là? Non. Là où il y a le bâtiment de forme phallique. Le bâtiment de trading ou le quel bâtiment? Ce bâtiment-là de forme phallique. Ah oui. Voilà. Et il y a un escalier qui relie à rien. On pourrait faire un chemin qui relie au spawn, qui relie à la maison de Creepy, au kebab de Joris. Et faire un petit pont là-bas qui relie à mon phare et à la machine. Et bah carrément. C'est quoi, je vais te donner une pelle, tu es chargé de le faire. Mais non, mais... Vas-y si tu veux, mais donne-moi les autorisations alors pour y toucher au spawn. Parce que c'est impossible de toucher. Tu n'as pas besoin des autorisations. Dans les commandes blocs du serveur, il est marqué que les joueurs ne peuvent pas toucher du tout au spawn. Non, c'est dans sa tête. Dans sa tête de rien du tout, il a raison. Non. Il est en train de cacher quelque chose, lui. Moi ? Ah, mais si, je peux le faire. Je peux pas. Ah oui, truc très très buggé chez vous. On peut pas. On peut casser les blocs, mais on peut pas les remettre. Et ouais. C'est pour ça que je dis que les command blocks c'était buggé. Attends, mais de quoi tu parles ? Mais. Tes command blocks ils empêchent de poser les blocs, mais ils empêchent pas de les casser. Regarde, je suis là. T'es prêt ? T'es prêt? Ouais. Alors là, il y a le... Ah, d'accord, non, on est à la limite du spawn, j'ai rien dit. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Non. C'est pour ça que c'est un peu ambigu, on est à la limite. Mais là, regarde, on peut casser. Mais c'est pareil, juste à côté de mon fort. Ah, non, c'est pas... Pareil, ouais, non, laisse tomber. Pareil, juste à côté de Nelson. Putain, mais... Bande de cons. Bon, le chemin. Vous pourrez vous amuser à faire vos trucs. Mais bon, pour l'instant, c'est pas forcément fini. Hein. Mais bon, on ne va pas ennuyer les viewers avec ça pendant très longtemps. Hein. On n'a pas fini tout à fait de voir le tour. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. L'hôtel. Par contre, CLB, tu peux me mettre en spec comme ça, je peux regarder en même temps que toi. D'accord, si tu le souhaites, Othérion. Je le souhaite. Eh bien, parfait. Bon, bien, est-ce que vous entendez des choses derrière moi? Genre des sons? Non? Non. Ah bah, tout va bien, alors. J'ai un bon micro pour ça. Enfin, il capte pas grand-chose, du coup, mais...
Mais qu'est-ce que t'as fait? Moi? Non, non! Mais où? Il ne dit rien. Je vire la zone parce qu'elle est dégueulasse. C'est pas beau. Ah. Il y a des barres donc il y a des zones dégueulasses. Ok, donc là il a tout mis en pierre. C'est une première étape, je suppose. Hein. Après tu vas. Rassure-moi. Voilà. Non. Mais. Je crois que je devrais m'en aller. Oh mon dieu. Tuez-moi. C'est ce qu'ils disent tous. Quel troll. Eh, c'est Citron qui déteint sur toi, je suis sûr. Arrête de nous troller comme ça. Bon, et eh bien c'est sur cette image de mélancolie, avec une musique mélancolique et un coucher de soleil mélancolique. Ainsi qu'un sol en pierre dégueulasse et mélancolique, que nous allons nous quitter. Allez, on reprend. Ah, bah très bien alors. Et c'est comme ça. Hein. Ouais, déjà. On va même pas faire 5 minutes l'épisode. Non, on va pas s'arrêter tout de suite. J'ai envie de le voir faire évoluer un petit peu ce terraforming. C'est moche, hein, je vous préviens. Pour l'instant, c'est sûr que ça ressemble pas à grand chose, mais. Je sais que tu es capable de faire prendre forme assez vite et de manière bien, bien efficace. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a des trucs par terre? Des trucs. Ouais, j'ai cassé un coffre. Tiens, mais d'ailleurs, pour conclure l'épisode, on pourra revenir sur la map de. Faites attention, il y a une maison en bas. Mm-hmm. Non, il y avait. Vous l'avez détruite. D'accord. Il n'y a plus de maison. Il y avait une base souterraine vers là où je suis. La base souterraine est choquée et déçue, si tu veux mon avis. Bon, c'est pas grave, il n'y avait rien, il y avait juste trois portes et un coffre. Avec le contenu là que j'ai, mais c'est pas grave. Récupère le contenu. Ah oui, c'est pour ça que le contenu. C'est pour ça qu'il y avait du contenu étalé. Mmh. On a cassé le coffre. Après, ils appartenaient à quelqu'un qui est personne. Est-ce qu'on peut mettre des villageois. On peut attacher des villageois avec des LS. Tu peux essayer. C'est un petit peu compliqué, je crois, parce que. Enfin, ça a peut-être changé avec les versions, mais. Je me souviens que pendant longtemps, quand on faisait ça, on ouvrait leur interface. Donc... Bon. Peut-être pas en sneak. Pendant que Charles est occupé à redonner une nouvelle vie à cette zone déserte qui n'attend d'ailleurs que vous pour être. Rempli, je vais aller taper une commande magique. Waouh, ça devient trop beau. Oui. C'est pas jusque-là, mais. Voilà, donc là nous sommes sur un map qu'on vous a montré dans l'épisode précédent. Ça a changé, hein, ça a pris forme. Et maintenant, ça a carrément de la gueule, même s'il y a pas beaucoup de bâtiments. En voici déjà un, qui est franchement classe, qui transcrit bien l'esprit que je voulais donner à la map. C'est splendide, et surtout celui-là que j'affectionne particulièrement, même si c'est un quasi copier-coller d'une ancienne map de Tutur. Mais bon, c'est pas le même bloc qui est utilisé, il y a des trous un petit peu partout, et des feuillages. On a dû le détruire. C'est pas le bâtiment à moitié détruit que tu parles? Il y a un vrai travail là-dessus, c'est cool. Charles, tu peux ouvrir l'interface villageoise s'il te plaît? Oui. Ah ben non, on peut pas le tenir en laisse. Choqué et déçu. C'est dommage. Peut-être qu'il aime pas la domination. Hein. On sait jamais. Fort probable. Jamais. Maintenant vous avez un channel sur Discord pour parler de ce genre de choses. Mais il n'y a pas de channel vocal encore. Hein. Ah, il n'y a pas de channel vocal, mais je suis pas sûr qu'on ait besoin d'en ajouter un. À la limite, ce qui est dit sur public ne reste pas à la vue de tous sur la durée, donc... Par contre, CLB, si tu veux TP pour voir la nouvelle vidéo. Plaine, alors, en c'est vidéo, ouais, mais en vidéo, je compte sur vous pour faire preuve de tenue et de civisme en société. Tu disais au Thérion. Si tu veux venir voir qu'est-ce qu'il a fait à la plaine, c'est magnifique. Non, c'est pas beau, mais... Je crois... Attends, je vais faire un pied de maison. En tout cas, la plaine a déjà plus gueule de plaine, hein. C'est ça qui est sûr, mais... On aurait dit un vieux champ de guerre avec les explosions et tout. On aurait dit qu'il y avait eu des explosions. Ouais, un vieux champ de mine quoi.
Parce que champ de guerre, ça veut pas dire grand chose. On peut dire champ de bataille ou champ de mine. Oui, champ de bataille, c'est ce que je voulais dire. Champ de mine, arrêtez de parler Mainfield de mal. C'est bien Mainfield. Mainfield, c'est vrai que c'est ça que... c'est ça que ça veut dire, Mainfield. Et je crois que les mines, en fait, c'est une métaphore de tout Ekiko qui traînait dessus à une époque. Non. C'est un jeu de mots à la con. Ah oui. C'était mieux avant tous les Kiku, ouais. Je peux confirmer. Et il est encore actif ce serveur ? Trop. Il doit plus avoir grand monde. C'était un serveur sympa, moi j'aimais bien. C'est vrai qu'il était sympa. Ça a été l'un des plus grands serveurs francophones. Et après Bob Lennon a été connu et c'est devenu Kiku LOL. Devenu Kiku LOL, mais autant moins qu'Epicube. Epicube, ça a été conçu. Évitons de se lancer dans des sujets. Dans des sujets qui fâchent. D'autant que j'ai tourné à MC4 Play avec Camom sur Epicube. Toi, tu tournes des vidéos sur Epicube et tout. Oh, que... Rarement. Faut pas déconner quand même. Ouais. Bon, on aura fait un petit peu le tour. Je pense qu'il y a plein de bâtiments que j'ai dû oublier. Il y a pas mal, ça a pas mal construit hein, sur cette map entre temps. Donc n'hésitez pas à aller venir voir et fouiller un petit peu de vous-même. Et en attendant, on fera de nouveaux épisodes à venir. Désolé pour l'absence qu'il y a eu ces derniers temps. Bref, oh là, je suis enrhumé. C'est pas pratique pour conclure ça. Je suis un petit peu crevé et enrhumé, donc désolé voilà, pour. J'ai mis des arbres. Pour mon dynamisme à l'oral qui aura été un petit peu à la ramasse durant cet épisode. Mais bref, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis enrhumé. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage. Venez sur le serveur s'il vous plaît. Donc sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB, à la prochaine pour le 9e épisode de Minecraft est offert et plein d'autres choses sur les deux chaînes. La mienne et celle de la MCK Team. Allez, salut. Salut. Merci infiniment à vous de regarder les vidéos jusqu'au bout. Pour vous récompenser, je ne vous donne strictement rien, mais ceci dit, je vous recommande tout de même de checker le Twitter. Je vous recommande également d'aller voir le Discord, d'aller voir la vidéo mise à gauche pour apprendre des trucs, rejoindre le serveur tout simplement. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir pour le prochain épisode. C'était CLB.